Dans Mountain, à la machine. Ouais. R.E.D.K. Demi-portion. Marseille 34. Oh oh, K.L. Écoute ça. Je sais pas par où commencer. Vu que notre rap tient la roue, t'en attends que tourne la roue. Tu sais comment c'est. Ils sont commentés par l'envie de réussir. Instinct farouche, inutile de commenter, j'avoue. J'ai perdu du temps sur le beat. J'ai du time à rattraper, donc je mets les feux rouges sur le grill. Moi je peux rimer, bien qu'ils me croient bête. Du haut de leur rap qui pue la merde, masterisé par leur toile à la bourre. On attend que l'heure sonne, on essaie de talent sans le buzz. Vu qu'on a insulté personne, indépendant. On connaît la douleur du ring. Le rap et ses mauvais penchants et les sourires couleur urine. Et j'avoue que je ne peux pas plaire à tout le monde. Vu que les MC mentent comme ils respirent et qu'ils respirent à plein poumon. Donc à vous de faire la part des choses. Entre celui qui veut sa part du cake et celui qui veut la part du pauvre. À vous, on tape et ça applique loin du rap qui tapine. On pose un tas de phrases et phases et phrases et classes et classiques. Du lourd, donc ils m'en veulent. La recette, un cinquième de Carpe Diem, une demi-portion de grande gueule. On est là depuis l'époque déjà. Je vois que les choses se dégradent, ça l'époque c'est grave. Le rap se meurt et nous on frôle le désastre. On y redonne vie en restant vrai. On est là depuis l'époque déjà. Je vois que les choses se dégradent, ça l'époque c'est grave. Le rap se meurt et nous on frôle le désastre. On y redonne vie en restant vrai. Kader, alors dis-moi code 9 à Marseille. Disons que c'est la même à 7, Metz, Lille ou Sarcelles. Le rap paraît que ça nous sert à se remplir un compte sans sème. Du tout j'arrange une crevaison, j'avance et vite ça freine. Depuis j'évite sans frère, des fois je me tape des scènes. Ici pour fuir la routine, la jeunesse tape des 16. Les filles font peu de ménage, vu qu'elle nettoie et qu'elle mécène. SMS en boulot, même des arabes deviennent CRS. Entre crise et anti-stress, le monde est un hôpital. On se fait discret, évidemment, on ne se fie pas de l'eau qui parle. Qui ronfle, des fois je m'endors, trouve du repos près des enceintes. Allô, R.E.D.K, putain, même hôtel, y'a des larcènes. Toujours au peine à chaque scène, donne un micro et j'irai quoi faire. On me cherche des poux, tant que la merde, j'aurais dû finir coiffeur. Couper des têtes à l'aveuglette, non, personne mérite la mort, c'est froid. Je le sais très bien, j'attendrai pas Catherine Laborne. C'est chaud, c'est normal, nos darons portent des grosses caisses. Ils n'ont pas eu le temps de chialer ou de charler sur les MySpace. De caisse claire, de sale boucle, un temps de buzz pour que ça roule. Le rap français n'est plus ordre, mets tes brassins, sois Aznavour. Aznavour. Ouais, je viens faire causer les muets. J'avoue, je parle pas trop vite avant d'écrire le résumé. En bref, les grandes gueules, Carpe Diem, R.E.D.K. Demi-portion, l'original, éviter la version bêta. On est là depuis l'époque déjà. Je vois que les choses se dégradent, ça l'époque c'est grave. Le rap se meurt et nous on frôle le désastre. On y redonne vie en restant vrai. On est là depuis l'époque déjà. Je vois que les choses se dégradent, ça l'époque c'est grave. Le rap se meurt et nous on frôle le désastre. On y redonne vie en restant vrai.